Bienvenue à tous, bonjour sur max25.be. On a la chance aujourd'hui de faire une réunion max25 du concept max25, c'est-à-dire maximum 25 personnes autour d'une table. Nous sommes le 22 mars, nous sommes en direct sur Flairon dans le groupe Neri, épaulé aujourd'hui par une deuxième entreprise qui est Inverharvest. Alors vous allez voir tout à l'heure au niveau de la réception comment ça se passe. C'est très simple, 25 dirigeants d'entreprise vont simplement présenter leurs produits, leur secteur, le marché à travers une entreprise qui nous accueille dans ses locaux à midi pour simplement savoir qui fait quoi. C'est juste une communication en limitant à 25, ça nous permettra d'avoir une convivialité la plus grande possible puisque nous pensons que la convivialité est en fond de commerce. Je vous invite à suivre la reste. Merci. Quelques mots de présentation avant de démarrer la réunion Max25 ici dans le groupe Neri, en fait à Flairon. Alors on a la chance de faire sur deux entreprises, Sandrine Neri pour le groupe Neri, Inverharvest, Grégory César. On va commencer par madame. Alors le groupe Neri pour la présentation des entreprises, c'est quel secteur exactement? Alors secteur automobile, nom qui est connu depuis plus de 60 ans dans le secteur automobile liégeois, avec maintenant depuis 1985 les marques Renault et plus récemment Dacia. Nombre de points de chute? 4. À Grivigny-Robermont, Flairon, Liège-Murenville et Retine. Nombre d'employés? 80. Bravo. Inverharvest, production de cinéma. Alors là, on est dans ce qui me fait sourire et c'est fabuleux. Déduction fiscale à 150%. Je retiens l'homme comme ça par rapport à un résultat qui est un résultat positif, qui est un outil aussi de promotion quelque part pour le cinéma belge. Alors Inverharvest, c'est quoi exactement? C'est quel secteur? C'est combien de personnes? Quels sont les objectifs? Alors Inverharvest, c'est une société d'intermédiation en tax shelter qui fait partie d'un groupe dont fait partie également Versus Production et Obrother Distribution. C'est 19 temps plein réguliers, mais c'est aussi 200 temps plein équivalent temps plein sur l'année avec plus de 600 contrats grâce notamment au tax shelter qui permet de financer des œuvres audiovisuelles et donc qui est un moteur d'emploi. Inverharvest a la volonté de satisfaire à toutes les exigences d'une société en matière d'optimisation fiscale et le tax shelter permet, tout en investissant dans le cinéma, de réduire la base imposable des sociétés, ce qui est généralement très apprécié, avec un vrai produit financier et du concret derrière, c'est-à-dire du cinéma, des visites de plateau, des visites de tournage, des avant-premières. Alors je vous invite à nous suivre, on va continuer cette présentation avec 20 autres entreprises régionales. Et quand je dis régionales, ça s'élargit un peu parce qu'on est dans une entreprise qui vient, je pense, de Bruxelles aujourd'hui. Donc vous allez voir toutes les informations dans quelques minutes, suivez-nous. J'ai la chance de représenter la marque Lotus depuis maintenant un peu plus d'un an. On a repris l'importation Lotus pour la Wallonie et Bruxelles. Et donc c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui, puisque qui dit prend encore char du circuit, qui dit circuit, dit sport, sport Lotus, etc. Mais au-delà de ça, je représente d'autres marques, je suis confrère, puisque je représente aussi la marque Mercedes et Volvo pour toute la région de Anhui-Warem. Signtechnique, c'est quoi? C'est une petite ASBL qui montre des coûts médias innovants en sport automobile pour les entreprises qui veulent se démarquer tout en mettant en avant leurs responsabilités sociétales. On revient dans votre société, donc sous certaines conditions, évidemment on ne se déplace pas pour un véhicule, où on peut faire vos changements de roue, donc vous commandez les pneus à l'avance, etc. On fait également des entretiens, les plaquettes de frais, amortisseurs, etc. Donc il n'y a que la partie moteur qu'on ne touche pas. Parce que le groupe BAM, c'est la société de travaux galères, c'est CEI de Meyer, Betonac, Interbuild, etc. Donc moi je suis le fleet manager de cette société. Nous avons 1200 véhicules en Belgique, que ce soit des utilitaires, 600 utilitaires et environ 600 véhicules de tourisme. Donc nous sommes des clients, en tout cas historiques du garage Neri par la société de travaux galères. Et je suis aussi invité à ce titre en tant que client professionnel. Donc nous sommes une école de formation en langue pour entreprise à Barchon. Et donc si vous avez des besoins en langue dans votre entreprise, vous pouvez me contacter, je serai à votre disposition. Nous existons depuis plus de 20 ans et nous avons également un siège à Anvers et à Lille. Première journaliste sportif dans le domaine du sport moteur, tant bien que je suis ici aujourd'hui, notamment responsable des sports moteurs sur le groupe Sud-Presse, la Meuse, à Liège et à Verviers, et également journaliste sportif au niveau de la RTBF, sur Via Cité, la première. Donc c'est la première casquette depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Et l'autre, c'est pas loin d'ici. Je crois que je ne suis jamais été aussi près de chez moi avec Max 25, puisque j'ai une société ici à Flairon depuis, il y aura 25 ans, le 25 juin. Bonjour, Patrick Caillot. Je suis patron de moi-même, je travaille tout seul. Ça fait 7 ans. Vous expliquez pas comme ça. Des circonstances un peu malheureuses, un accident de circulation, dont je me suis mis à faire un blog avec le sujet de l'automobile.